Un franc succès encore cette année pour une 6e édition. On a servi 258 assiettes. Un petit peu moins de monde que l'année passée, c'est sûr, dernière semaine de la chasse. Mais garde, c'est un franc succès. On a dépassé le montant qu'on avait ramassé l'année passée. Les mêmes partenaires renouvellent l'année prochaine. Spaghetti, Jade Cotre et Brazo est encore là. Les deux chansonniers renouvellent l'année prochaine. Les commentaires, garde, je pense, juste en recevant des commentaires comme ça, des gens qui étaient là, sur place, c'est tellement gratifiant. Garde, il va y avoir des enfants heureux dans notre région, c'est super. Ça grossit d'année en année. Je me souviens, la première année, on avait ramassé 2000. Ça avait tout pris si on avait ramassé 2000. L'année passée, 5000. Comme celle-là, avec la soirée de samedi, on est rendu à 8002. Le 10 000, d'après moi, on va être très proche. Une chance que les sous montent parce que la demande, c'est de plus en plus demandant, là, des enfants dans le besoin dans notre région. Là. Autant les adultes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui ont besoin de vêtements aussi. Alors, on ramasse pas mal tout. Je te dirais, on ramasse jusqu'à la fin décembre, mi-janvier.